Eh bien, salut à tous les amis, c'est Del. Voici aujourd'hui, on se retrouve sur Worms Ultimate Marine. Alors, souvenez-vous, la dernière fois, on avait fait le Canyon Moody et le Jewel avec Wally, le papa aussi. Le Worm, la poupée et le truand. Que va-t-il se passer dans cette petite histoire? Une question. Aha! We've found the bandit's hideout. We've got one worm in the compound. You. D'accord. You can't take them out on your own. So you need to blow open the gates to allow the reinforcements in. Okay, sneak around the hideout without alerting the bandits. Use these buildings as cover, following the sequence of crates until you reach the dynamite to open the gates. No time to be nervous. Get stealthing. Pas de problème. C'est où une bombe? Une poutre. Une poutre à la loutre. J'ai envie de dire, ils sont un peu tous en train de me regarder. Je pense et surtout, faut pas que je touche le sol en fait. Hop. Oh! C'était quoi le délire? What? I got the wrong moves. What was that? Absolument rien. Ok, y a moyen de remonter. Ah, j'en reviens pas. Oula! Oh putain! Oh le délire, ça commence très bien. Ah, je suis bloqué. Hop. Mais du coup, j'ai raté la caisse. Attends, je vais essayer de faire comme je peux. Putain, mais quelle merde. Vous avez été repéré. C'est faux. C'est totalement faux. Hop. Ne me voyez pas, ok? Voilà, je le pose à la va-vite. Non, vous m'avez pas vu, les gars, ok? Oh, non, 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 je ne suis pas là. Ça ne se comprend pas. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il passe trop tôt. Voilà. Tout va bien. Et du coup, elle est où le caisse? Elle est là-bas, d'accord. Rassure-moi, la poutre, elle était pas censée être utilisée pour monter là-haut. Je crois que si. J'ai un peu fait de la merde, mais c'est pas grave. J'ai habitué la force. À moins que je puisse monter. Ouais, c'est bon, tranquille. Parachute, la dynamite est. Elle est où? Elle est là, d'accord. C'est parti! On va tenter le petit salto. Sans faire de la merde. Hop! C'était pas prévu que j'atterrisse sur le toit, mais c'est pas grave. J'ai pas fait de la merde. Au moins, je la récupère, la dynamite. Voilà. On va attendre le prochain tour pour la poser. Oh, j'ai dynamite à fini. Ça, c'est bien. Ça, c'est un bon. Blow open the gates to the camp. Ouais, pas de problème. T'inquiète. C'était prévu. Il va tout casser. Et comment compte-t-il? Ah merde, viens vers moi. Qu'est-ce qu'il fait? Salut. Non. Non, non. Je refuse. Toi, tu vas mourir en premier déjà. Hein? De 1, voilà. De 2, je vais faire péter la porte. Tous mes renforts vont se ramener pour tuer tes potes. Tu vas rien comprendre, t'inquiète. Oui, t'inquiète, j'arrive. Putain, ils en ont pas marre de me donner des ordres là. Tiens, je te monte dessus en plus, tu vois, j'ai aucun respect. Je vois pas pourquoi j'aurais de respect envers toi. Voilà. Maintenant, je me tire dans les stables. Je sais pas ce que c'est les stables.
Oh, British gonflable. On s'en fout un peu, British gonflable, c'est de la merde. Par contre, ils ont changé de position ou ça se passe comment? T'as la caisse, elle a rebondi. Oh, il y a une caisse ici. Fusil à pompe. Ouais. Pas génial. On va aller récupérer les, tout ce qu'il y a là-bas. Hein. On va se faire plaisir. On va pas s'en coquiner. Bombe à frag. Mouton. Barsoka. Attaque aérienne. Ça m'a l'air bien placé comme ça. Hop, voilà. Tout va bien se passer, vous inquiétez pas les gars. Ah, j'aurais dû plutôt viser deux mecs en même temps au lieu de faire comme ça. Parce que ouais, là j'ai mis que moi 6 à 1, puis l'autre il a eu. Je suis assez déçu par moi-même. Lui, faut que je le nique. Faut que je m'arrange dans les mecs qui sont en hauteur, faut que je les fasse tomber. Oh fuck! Ils tirent bien quand même avec leur bazooka, ces enfoirés. Hein. Hey, get off of my bogey. Non mais les gars, attends, on avait dit déjà lui il doit mourir en premier, celui qui se cache là. Oh merde! Il est où? Je peux pas le reconnaître moi, je sais plus son nom. Bon bah on va lancer un mouton. Et va mon petit mouton. Bam! J'aime les moutons. Hop, déjà un moins. Ça, c'est réglé. Bazooka. Ils le kiffent leur bazooka. Hein. Oh, j'ai eu chaud. Enfin, ils ont eu chaud. Quelle bande de cons, ce mec. On va essayer de pas les mettre trop à côté, mes worms. Hop, allez, c'est parti pour le deuxième mouton. Merde, il y en a aucun qui est tombé dans l'eau. Je suis deg. Ah, bah, il y en a un qui est mort quand même. Ils sont puissants ces moutons quand même, c'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai un truc qui fait qu'il tombe dans l'eau. Oh! Ouais, c'était violence qui m'a mis cet enfoiré. Je vais te niquer, tu vas voir. Je vais apprendre toi aussi. Voyons voir. Eux sont dans une belle lignée. Comme ça, ça devrait passer. Hop, il est touché. Et lui aussi, nickel. Non, je peux plus le bouger. Et puis il a perdu 22 et l'autre. L'autre, on l'a pas vu. Oh fuck. Grenade à frag. J'ai envie de dire c'était complètement raté comme tir, mais ça m'arrange. Voyons voir, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste un petit British gonflable, des trucs comme ça. On va essayer de lui envoyer le British gonflable à lui. J'ai bien essayé, hein. J'ai aucune idée de si je peux réussir à l'utiliser ou pas. Mais en tout cas, je vais essayer de le déplacer au-dessus de l'eau pour qu'il tombe dans longtemps, cet enfoiré. Non, de l'autre côté! Mais non, mais quel con! Mais non, fallait qu'il aille en direction de l'eau, mais pas assez tôt. Ouais, autant mieux, ça l'a tué, ça me va. Ok, j'accepte. Je pardonne l'erreur. Bon. Que va-t-il faire, ce petit con? Oh, c'était très bien tiré. Il en reste combien? Il en reste deux, non? Deux ou trois? On va voir ça. Ah oui, il reste celui qui est là, celui qui est là, celui qui est là.
Alors toi, c'était une trop mauvaise idée de me faire ça. Voilà. Et je me tire. Voilà. Il est mort. Par contre, je sais pas si l'explosion de sa mort va toucher à des worms. Ça a l'air... Ouais, c'est bon. Ça ne l'a pas touché. Grenade. Une petite grenade. Oh, là. Oh, il est très bien, vous voyez. En même temps, j'ai déjà dit, ces mecs, ils envoient très bien leur grenade. Oh, tiens, pourquoi j'ai perdu que 16? C'est bizarre, j'ai perdu que 16. Moi, ouais, c'est pas grave, ça m'arrange. Donc, c'est à ton tour, mon petit. Hop. Alors, Fire Water Fred. Qu'est-ce que t'en dis? Wacket, wacket. Est-ce qu'il va se venger? Et il l'aime bien ce Worms là-dedans. Ça fait un petit massage judo. Il a kiffé. Hop, je vais faire tomber celui qui est là-haut aussi. Wouah! Alors lui, il a tourné. Moins 50 piles, ok. Oh! Encore eu de la chance. Bon, on va essayer de l'achever celui qui est là. Ça va être chaud de bien viser. Oh, pile dessus, c'est ce que ça peut gérer, non? Voilà, moins 56, tiens, bim, dans ta face. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans la maison, non? Ils aiment bien viser le mec qui est dans la maison, quand même. Hein. Lui, c'est l'appât, il sert d'appât. Il y en a pas qui est bientôt mort. Mais il y en a pas quand même. En plus, il a 69 points de vie. Moi, je dis, c'est un signe. Tiens, voilà. Qu'est-ce que je disais? C'est un signe. Maintenant, c'est lui qui va se battre. Il va démonter l'autre enfoiré à coup de dynamite. Il est où ce petit con? Oh, mauvais chemin. Il est là-bas. Excuse-moi, je te monte dessus. Hihi. Bah alors, Firewater Fred. Qu'est-ce que tu fais de beau ici, hein? Explique-moi. Yop. Je monte là-dessus, moi. Ouah. Alors, si je suis pas protégé de l'explosion. Alors, est-ce qu'il est mort, ce petit con? Bah oui. Allez, bim. À faire foutre, petit con. Oh! Non, non. Ah, c'est encore Bobby le kid. Allez, on se casse! Come back here, you thieving varmints! Wait till I get my hands on you! Work. We have enough fuel to make sure we can get home. We still do not have any navigation, however. Ah, yes. If only I could find a new space-time navigation balance device. Whoa. Sorry. Unfortunately, it has to be made of a pure diamond. Maybe we should land and think of something to do. Oh, diamant pur, ok. Ah ouais, je vois. Ah, guards, quickly! Ali Baboon is making off with my jewels. I will reward anyone who returns with my gems and brings me that charlatan. Well, what a stroke of luck. Come on then, let's get after that thief and get those gems back.
T'as, on en a de la chance quand même, on atterrit tout au bon moment, pile dans la bonne époque. 12 minutes et 12 secondes, record à battre de 11 minutes 30 secondes. Ok les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.